en parlant de Wind Waker, ben on se lance directement dans ce Let's Play sur Wind Waker. C'est un jeu que j'apprécie quand même un peu si mal. Ce n'est pas mon préféré, mais je l'apprécie quand même parce qu'il est beau comme jeu. J'avais pas de suite. Donc on se lance sur Wind Waker, un jeu que je n'avais toujours pas fait en Let's Play. Je l'ai déjà fait étant plus jeune, je l'ai fait plusieurs fois. J'expliquais justement que je jouais à la démo de 30 minutes plusieurs fois. Je spammais la démo quand j'étais plus jeune. Et j'ai beaucoup de plaisir sur Wind Waker. Et en même temps, on en parlait justement, je me lance un petit peu sur les rétro achievements de Wind Waker. Fait que pourquoi pas rejoindre les deux bouts et de faire une pierre deux coups, comme on dit. Et Madbub, si tu veux master le jeu, je pense à prendre les photos tout de suite. Je vais pas master le jeu. Si je le fais, je pense que je vais juste refaire le jeu. Je vais pas m'enligner sur un 100% du jeu parce que je connais pas assez bien le jeu. J'ai pas envie non plus de prendre trop de pauses pour essayer de le chercher tout ça. Ça va être juste un beaten game. Je ne suis pas un méga fan des 100% des jeux. Mais si jamais je veux le faire, je risque de faire une autre partie et tout ça. Je risque de m'organiser en conséquence. Mais pour le moment, ça va être une game bien basique. Peut-être une game bien basique, on s'amuse à faire la quête numéro 3, parce que la première, on n'a pas envie. Et, bien entendu, vous savez bien c'est quoi le nom de la partie qu'on va l'appeler. Ça sera notre cher petit Dink, qui sera de la partie. Non, ce n'est pas Pipi. Ça, ça serait mon cheval. Mais on peut pas, il n'y a pas de cheval dans ce jeu-là. Oh! Arrête pas me spoiler, il n'y a pas de cheval dans ce jeu-là. Qu'est-ce qui se passe? Salut mamie, j'espère que ça va bien. Il est une histoire mythique qu'on raconte parmi tant d'autres légendes. J'espère qu'ils vont parler de Dink. J'espère qu'ils vont expliquer l'histoire de Dink. Il a bien longtemps existé un royaume où l'on disait cacher les pouvoirs des dieux. Ben, c'est-tu le fun, hein? Il joue à cachette. C'était une province splendide, verdoyante et fertile. Je vois pas de verre sur l'image, par contre. Mais un beau jour, l'attention d'un être maléfique se porta sur ce royaume. Il déroba les pouvoirs des dieux. Schling! Shipper arrête de shipper. Ses forces maléfiques plongèrent la province dans les ténèbres. Les ténèbres avec un grand T, hein. C'est pas les ténèbres petit T, hein. Donc grand T. Hein. Alors que le sort du royaume semblait scellé, c'est là que Dink arriva avec son épée. Un jeune homme tout de vert vêtu surgit de nulle part. Tout d'un coup, pouf, apparu, comme par magie, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il brandit son épée magique, fit taire l'être maléfique et ramena les lumières dans la province. Directement de même, bingo. Il a juste fait « Salut, j'arrive, je mets la lumière. » Évidemment, il y avait un cheval. Le peuple du royaume appela ce jeune homme qui avait traversé le temps pour lui ramener la lumière, le héros du temps. Le fameux Dink, l'héros du temps. L'histoire du jeune garçon se transmit de génération en génération jusqu'à devenir une légende. Parce que là, bon, les gens de la timeline de Zelda vont dire que Wind Waker, c'est des années plus tard, que si, que ça, blablabla et compagnie. Quand un jour, un nouveau malheur s'abattit sur le royaume. Tintintin, l'être maléfique que le héros sembla avoir réduit au silence est revenu. Le jeu que j'ai joué seulement 20 minutes, car j'avais juste les CD de Zelda 64, c'est exactement la même chose, Coffee, de mon côté... Comment ça va, Coffee Crips? Ressurgit soudainement du plus profond de la terre. Le peuple voulut croire que le héros viendra à nouveau à son secours. Mais non! Il s'est juste choué. Il a juste fait « Salut, je pars ». Mais le héros il revenait pas, Chris. Et face aux forces maléfiques, le peuple n'eut d'autre recours que la prière. Ô sainteté Dink, reviens parmi nous, s'il vous plaît. Il remit donc son destin entre les mains des dieux. Il n'en reviendrait pas. Comment ça va, Arachnite? J'espère que ça va bien. Vous n'en reviendrez pas. Et nul ne sait ce qu'il advint du royaume. Oh oh. Tout ça parce qu'il s'est choué avec un cheval. Tu vois, s'il n'y avait pas de cheval, tout le monde aurait été heureux, tout le monde aurait été content. Si aucun souvenir de la promesse ne demeure, le souffle de la légende ne s'est pas encore tout à fait tu. Et non. Le checkez-moi ça la rafale est toujours présent. Et dans une petite île, on continue de fêter le jour où les garçons atteignent les 12 ans en leur faisant revêtir un habit vert. Waouh, que c'est plaisant. J'ai tellement hâte sur cette île d'avoir 12 ans, avoir un habit vert. Cool.
Le cœur frais comme le vent des prairies, ils font alors siffler leurs lames comme un tourbillon pour briser les ténèbres. Abrège, frère, s'il te plaît, là, raccourcis un petit peu, speedrun, tabarnak. Ils prirent pour montrer dans leur jeunesse autant de courage que la légende et que le je n'ai pas pu lire le restant du texte. Ouh, c'est intense quand même, hein. White Walker, c'est quand même weird. Genre, si Ganondorf aurait pas enlevé des jeunes filles sur une île random, Link aurait jamais été l'arrêter. C'est vrai. Si Ganondorf n'avait pas des kinks un peu bizarres, l'aventure de Wind Waker ne serait jamais arrivée. Grand frère! Aïe! Ah, la personne la plus gossante de tout l'univers. Hein. Tu me casses déjà les couilles, merci. J'ai enfin réussi à me caler sur tes horaires. Nice, Sacha. J'espère que ça va bien en passant. Et Kelly aussi qui a dit quelque chose. Ah, c'est juste que j'ai recommencé à chaque ouverture de la GameCube n'ayant pas de memory card à l'achat. Pour de vrai, Kelly. Fait que tu rejouais genre non-stop ou tu laissais genre ta GameCube ouverte non-stop. Quand même, la dédication. Hein. Ça, c'est ma face devant elle qui est en train de me gueuler dessus. Puis genre, ferme ta gueule, s'il te plaît. Je peux-tu juste dormir au-dessus de ma tour tout seul? Ah, évidemment, tu étais là. J'adore. Par contre, les expressions de Link dans Wind Waker me font tout le temps rire. Hein. C'est vrai, moi aussi, j'aime bien admirer la vie d'ici. Dis, grand frère, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Ta gueule. Hé, hey, tu dors encore, toi? Tu n'as pas oublié, quand même. C'est ton anniversaire aujourd'hui? Ah, bien sûr, c'est mon anniversaire, c'est le temps de me remercier, de me dire bonne fête, Mad Bob. Merci, merci, c'est le temps de me faire des cadeaux, j'apprécie, merci. Et ça fait un bon moment que Mémé t'attend à la maison. Heureusement que je suis venu te chercher. Allez, rentre vite à la maison, voir Mémé. Bonne fête, Dink. Non, non, c'est ma fête. C'est pas la fête à Dink, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de faire croire que c'est la fête de Dink, c'est pas la fête de Dink. Attends, on va juste essayer de se placer, c'est elle pour resumer la caméra, parfait. Donner des cadeaux, bah oui. Wind Waker, c'est le Zelda que j'ai le plus envie de faire avec Twilight Princess. T'as pas fait les deux, mais écoute, Sacha, si jamais c'est le cas, c'est le temps de regarder mon let's play et t'amuser en regardant ce beau let's play de Wind Waker en mode pyjama party. Hop! Is bing! Is bong! Ben oui! Pogne un 10 Ruby! Ça, c'est la strat d'aller chercher du cash d'une façon très simple. Hein. Bonne fête, Matt, bien essayé. J'ai essayé. Salut Top Love! Comment ça va? Merci du follow en passant. Probablement avec le new reset. On s'est peut-être croisé à un moment donné, mais merci beaucoup et bon matin à toi. J'espère que ça va bien. Pendant que nous, on va aller voir la mémé. On va aller voir ce qui se passe. Hein. On laissait la GameCube ouverte, mais ma mère l'a fermée. Et la mère qui ferme. Hein. Je me rappelle d'époque quand tu n'avais pas de memory card lorsque tu avais une nouvelle console exacte. Ou elle était remplie puis tu voulais pas déliter certains jeux. Ça aussi, ça me faisait chier quand j'étais jeune. Je me souviens que ça me faisait assez chier quand j'étais jeune. J'étais comme, ah là, ben là, je veux pas enlever certains jeux. Fait que là, t'attendais une autre memory card pour pouvoir mettre un jeu à l'intérieur et tout ça. Puis là, ça devenait de plus en plus complexe à essayer de gérer les cartes mémoire et tout ça. Puis les jeux tiers avaient des memories, genre des sauvegardes immenses versus genre Nintendo. C'était genre, hey, t'as joué à Wind Waker, ça prend deux blocs. Puis t'étais comme, ah, ok, cool, thanks, I guess. Ding, je t'attendais. Tiens, Dink. Veux-tu bien essayer ces vêtements? Si je te dis non, que se passe-t-il? Comme le temps passe vite, tu as bien grandi, mon enfant. Tu es déjà en âge de revêtir ses habits. Et là, checker la face de Link. Comment il est genre dégoûté en mode « Vous obtenez la tenue du héros, cette tenue semble bien épaisse. Je n'ai pas envie de la porter, merci. » Le visage du dégoût. Ne fais pas cette tête-là et scellez donc. Je suis sûr qu'ils t'iront très bien. Tu viens d'atteindre l'âge du héros de la légende. Ce jour se fait et tu dois au moins porter ces vêtements aujourd'hui. Autrefois, ce jour marquait le passage des garçons à l'âge adulte. À 12 ans, faut se préciser. Hein. 12 ans, âge adulte, quitte la ville, quitte l'île, vis tes préoccupations, vis ta vie, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Hein. C'est exactement ce qu'elle me dit. Ils se préparaient à affronter les méchants et leur enseignaient le maniement de l'épée. Bien sûr, à notre époque, tout cela n'a plus vraiment de sens. Et d'ailleurs, il y a dans cette île que le vieil Orko, notre voisin, qui pratique encore le maniement de l'épée. Merci Moustachebot et merci Sofrex, j'espère que les deux vous allez bien et j'espère que Crimson ça va très bien en étant sur ton bot de Moustachebot.
J'espère que tout se passe bien. J'ai vu que tu étais une fan de One Piece chez le stream d'Eilrich sur InstaFollow. Ben oui, je suis un grand fan de One Piece. Ça doit faire environ des dizaines d'années que je regarde One Piece, si c'est pas plus. C'est probablement depuis mon secondaire 3 ou 4. Fait que probablement quand j'avais 15-16 ans. Ça doit faire une quinzaine d'années que je regarde ou que je connais One Piece minimalement. Fait qu'un gros merci du follow, bien apprécié. Ça se peut que je vous lis pas trop tous les messages. Si jamais il y a quelque chose d'important, faites juste me le dire dans le chat. Je vais juste avancer un peu, parce qu'il y a beaucoup de blabla directement au début. Puis là, vous allez faire Mad Bob, là, à un moment donné, avance le jeu, s'il te plaît. T'es supposé faire du speedrun, t'en fais pas, c'est long. On perd notre temps, on regarde un bouclier qui ne bouge pas jusqu'à maintenant. On se fait chier, on aimerait ça qu'on avance dans le jeu. Faudrait que je touche à la manette, et je n'y touche pas en ce moment. Arrête de parler, s'il te plaît, lis l'histoire. C'est ce que vous êtes sûrement en train de vous dire. La tradition que nous avons orné nos intérieurs d'un bouclier remonte également à l'époque du héros. Ça a pris du temps à essayer de lire cette phrase. Et je me suis déshabillé devant ma grand-mère. Tu le savais? Non. Je le savais pas. Dink, tu es super, cette tenue te va comme un gant. J'ai invité tous les habitants de l'île à venir ce soir fêter ton anniversaire. J'ai encore un tas de choses à préparer et je vais vous faire cette soupe dont vous raffolez tous. Vivement ce soir, va vite appeler ta sœur Ariel, tu veux? Non. 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 J'ai juste pas envie de voir ma soeur, s'il vous plaît. Merci. C'est clairement une référence aux enfants qui reçoivent du linge à Noël ou à leur fête. Exact. Salut Colosse, j'espère que ça va bien. Je vous rattrape un petit peu. Je pensais entendre de quoi, mais le gym est trop fort versus mon CL. Je parle pas assez fort, faudrait que je gueule. C'est ça que t'es en train de me dire, right? C'est ce que t'es en train de me dire, right? Atarion, bon matin, comment ça va? J'espère que ça va bien. Dink, héros du vent, exact. Non, mais vous savez, c'est Dink. Nous, ici, là, ça a toujours été Dink, notre spirit animal. Là. Link n'existe pas, Dink est celui qui les vaincra tous. Comme ça que ça fonctionne. Fait qu'on va retourner aller voir Ariel, parce que normalement, il est supposé pas être dans l'eau, parce que Ariel dans l'eau, c'est la petite sirène, et nous, notre soeur n'est pas une sirène, elle est juste chiante. Donc, il faut retourner exactement en haut pour aller la voir et lui dire « Salut, mémé veut que tu rentres à la maison, tu me casses les couilles, est-ce que tu pourrais revenir ?» C'est ce qu'on semble lui dire, en gros. Un peu de même que ça fonctionne. Ah, te voilà grand-père. C'est Mémé qui t'a tricoté ça. Dis donc, ils m'ont l'air un peu chaud, ces vêtements. Mais ça te va très bien. Parlons de choses sérieuses. Dans les mains. Je vais te prêter un objet très précieux pour toute la journée. Joyeux anniversaire, grand-père. Wouh! Notre premier item, c'est les longues vues. Non, la longue vue, pas les longues vues. Salut, je mets ma graine. Non, mais s'il te plaît, Arachnite. On commence pas à parler de graines tout de suite, là. On en a pas encore des graines. Quand on aura des graines, on va pas parler de graines. Mais là, on parlera pas de graines, s'il vous plaît, ok? Ah, bien aller. Hein. Tube de Tunnel Vision. J'aime ça comme nom, Crimson. Alors, ça te plaît? C'est pour toi, parce que tu mérites. Allez, essaie de regarder la maison d'ici. Puis ça, encore une fois, j'ai pas envie. Est-ce que tu peux juste arrêter de me donner des trucs et de me faire chier? Oui, je vois, il y a un vendeur. Il y a un postier. Oh non, il fait une drôle de tête, ce facteur, tu le trouves pas? Ah, regarde là-haut! Oh oh! Oh shit, c'est un oiseau avec un personnage dessus qui se fait tirer des boulets de canon. Oui, je suis en train de faire le pour les malvoyants. Hein. Juste pour vous aider un peu. Hein. De mon côté, j'avais commandé OP en fin 2005, c'était le milieu de Water 7. Water 7, Tough Love, c'était tellement... Water 7 et NES Lobby, là, insane, je me souviens comme si c'était hier. Ok, je dois partager une nouvelle que je viens d'avoir. Vas-y, Ariquan. Si c'est important, vas-y. Si c'est pas important, je te banne. Je vais recevoir une commandite de Tulle. Je sais pas c'est quoi Tulle. Dead. La personne est décédée dans la forêt. Dien. C'est horrible, grand frère. Elle est tombée dans la forêt. Il faut aller lui porter secours. Mais on ne peut pas y aller comme ça. Non, parce que ce qu'il faut avoir, quand on a juste une longue vue, malheureusement, on n'est pas capable de se battre. On a besoin d'avoir un épée pour aller se battre. On peut pas juste y aller en mode no-brainer, on s'en va directement dans la forêt. Il faut quand même prendre minimalement, soit-il, un épée. Pas le choix. Et c'est quoi la commandite, Harry Quinn, juste pour savoir, la commandite de Tulle? Tulle, c'est comme ça qu'il faut le dire? Tulle. Tulle. Tulle.
Je vais le dire à toutes les personnes imaginables. Oui, on peut viser. J'ai pas besoin de te lire parce que tu veux juste m'expliquer la vie. C'est chill, merci. Je trouve ça quand même bizarre que What If 7 et Nies Lobby sont considérés comme deux arcs et non un. Ouais, très bonne question, pourquoi, hein? Je sais pas exactement pourquoi aussi. C'est dans la même saga, mais c'est quand même deux arcs. On est d'accord. Mais en même temps, un arc, est-ce que c'est parce qu'il y a une problématique autre? Parce que tu sais, dans NES Lobby, il y a la problématique du fait que le bateau est brisé, ils doivent le réparer, et en même temps, tu apprends comme quoi que ben, les gens qui travaillent là ne sont pas vraiment des gens qui travaillent là. Et après NES Lobby, ben, c'est quand même une autre problématique qui est là. Fait que c'est peut-être pour ça que c'est séparé en deux arcs. J'irais de même, mettons. Oui, le vieux petit con, hein, Orko. En français, je me souviens plus c'est quoi en anglais, par contre. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, Ding? Tu es tout pâle, est-il arrivé quelque chose? Il a dû se passer quelque chose de grave pour que tu fasses une tête pareille. N'est-ce pas, Ding? Tu veux donc apprendre sérieusement le maniement de l'épée, c'est bien cela? Oui, exactement, monsieur le vieux Chris. J'ai tellement fait ce genre de truc-là, hein. Bien, commençons par l'attaque horizontale, viens vers moi et appuie sur B. Donc je viens vers lui, j'appuie sur B. Bravo, réussi, j'ai bien lu. Je sais lire, merci. Bien, répète le même mouvement plusieurs fois sans t'arrêter. Je sais lire, je dois faire plusieurs fois sans arrêt. Hey, je fais environ 95% plus ce que 100% de la population fait pas. Lire. Bon, passons à l'attaque verticale, appuie sur L pour viser, appuie sur B. L pour viser, B. Parfait. 5. Continue, continue, continue. J'adorais ce petit bruit en crescendo pour montrer que tu réussis à faire les bons coups. Ensuite, le coup visé vise avec L, dirige vers le haut et appuie sur B de manière répétée. On va juste reculer un petit peu, n'est-ce pas? Voilà, merci. Ok, il faut que je le fasse. Attends, attends, attends. Parce que je l'ai lâché, je pense. Ok, parfait, je l'ai juste mal fait. Bravo Ding, tu sais lire exactement. C'est un peu ça qu'est-ce qui se passe. Une compagnie suédoise pour les racks à vélo, entre autres, et c'est assez reconnu, ils sont sur le point de sortir un nouveau produit pour auto, cache pour chien, tu vois le lien? Non. C'est quoi, tu veux mettre la cage de ton chien sur le top de ta voiture et mettre le chien à l'intérieur? Je comprends pas. Et un de mes contacts connaît des reps là-bas, il leur a envoyé mes infos, donc je viens d'avoir des news que j'aurai accès à des cages en privé gratuitement pour la visibilité promo. C'est vraiment nice, c'est quoi? Vraiment un gros GG, hein. Surtout que c'est tellement cool quand t'as un produit que t'affectionnes et qu'en même temps qui va simplifier ton quotidien et en plus si le produit est de qualité, c'est un win-win des deux côtés. Et moi c'est ça que je trouve que c'est le plus important, c'est bien beau de prendre des articles promotionnels et de faire de la publicité, mais si tu t'en calisses de l'item, je trouve que c'est tellement une perte. Oui, tu gagnes de l'argent à le faire, mais je trouve que c'est tellement comme au-delà de tes valeurs. En même temps, il y a des gens qui le font, ça leur dérange pas. Faites ce que vous voulez, mais moi, je le ferai jamais. Je ferai jamais une sponsor de quelque chose que ça me tente vraiment pas de faire. D'ailleurs, parce que c'est pas ma job. Si c'était ma job, peut-être que j'aurais d'autres complications, du moins d'autres répercussions par rapport à ça. Mais vu que c'est pas ma job, je vais prendre le temps que j'ai envie de faire un peu ce que je veux. Je vais pas faire quelque chose parce que je me sens forcé de le faire pour un montant d'argent. Et merde, je fais toujours des compétitions de sport à telle avec mes chiens. Je fais beaucoup de compétitions de sport à l'hôtel avec mes chiens. Je pense que j'ai manqué quelque chose. Je vais faire comme si rien n'était. Je vais continuer de taper le vieux, comme dirait Arachnite. Hein. Arachnite qui met son petit badge en passant. Ah merde, c'est l'attaque spéciale. Arachnite qui met son petit badge spécial du Z-Event. Très cool. Est-ce qu'il fallait juste que tu regardes le Z-Event ou fallait que tu fasses une donation pour l'avoir? C'est quand même cool qu'il ait fait un petit truc hein, en passant. Parce qu'il aurait pu s'en foutre complètement puis juste pas le faire. Hein. C'est parce que c'est le seul badge que j'ai. Ici maintenant. T'as juste à t'abonner, maintenant tu vas pas l'avoir. Hein. Faudrait regarder 15 minutes, j'aurais dû le faire. Je sens une grande vigueur dans ta lame et je te sens impatient. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que tu sauras faire un bon et sage usage de cette épée. Tu peux la prendre, Dink. J'ai regardé genre 10 minutes avant su. Vous recevez l'épée du héros. Tirez-la de son fourreau avec B. Mais non, mais je sais, en même temps, j'ai fait toutes les techniques transmises du savoir du grand Orko plutôt.
On dit que cette épée repousse le mal. Je fais le vœu que tu deviennes fort et valeureux. Deviens fort, Dink. Si monsieur. J'apprécie vos sages conseils, monsieur Padawan Orko. Alors, effectivement, si je crois pas aux produits, je le ferai pas, mais j'allais acheter leurs produits pour l'équipement de ce transport qui va sur le tour. Donc, j'ai hâte de voir les différentes clauses et voir si ça va de l'avant avec ça. Mais je te le souhaite vraiment. Hein. Si jamais c'est le cas, je te le souhaite au grand plus profond de mon âme. Je te souhaite d'avoir cette commandite. Et malheureusement, je ne serai pas ton client parce que je n'ai pas de chien. Fait que, sauf si tu tombes avec une promotion d'avoir un chien, achète une cage, gagne un chien, peut-être. Mais, outre ça, je penserais pas. Mais, si jamais je connais quelqu'un qui cherche une cage à chien, ben je sais qui fait, qui j'aurai en référence. Et là, bing, 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 on peut aller directement à la forêt. Et là, j'ai une question à vous poser, parce que je me pose quand même la question. C'est vrai, on peut pas courir dans cette version-là et taper de l'épée en même temps. C'est dans Twilight Princess qu'on va ajouter ça. Buy one, get free doggo. Imagine. Il y aurait beaucoup de cages qui seraient achetées. Hein. Mais non, ce que je voulais vous dire, ok? C'est que... on peut péter le pont. On peut-tu péter lui ou on peut pas péter lui? Je pense qu'on peut pas le péter lui. Mais les autres ponts, on peut. Mais là, je vous pose une question, c'est simple, ok? Imaginez que vous êtes sur cette île, ok? Vous voyez un peu, mettons, l'île. Mettons sur un organe. Vous voyez l'île, il y a genre une maison, une petite tour, deux, trois maisons, une forêt. Est-ce que vous aimeriez vivre sur cette île? Mettons, là, vous habitez sur cette maison, vous êtes dans cette maison-là. Vous êtes sur une île que vous avez genre trois voisins. Puis genre, il n'y a personne d'autre. Genre, vous êtes sur une île avec environ probablement genre 10 habitants, pas plus. Et vous faites quoi dans une île avec 10 habitants, pas plus? Vous vous rendez compte que dans l'habitation, il y a probablement deux qui sont vos parents. Un qui est votre soeur, mettons. Fait qu'il y a environ genre la moitié de la population, c'est vous viviez avec votre famille non-stop. Et vous pouvez pas vous éloigner de votre famille, vous êtes toujours pris avec. Ça dépend s'il y a Internet. Il y a Internet, je vous le dis quand même. Wind Waker est une de mes Zelda préférées. Je me rappelle que je l'avais fini le jeu sans avoir donné des baies aux poissons. Fait que ma map était presque vide. Moi, c'est le premier truc que j'ai fait, Tough Love. Moi, là, dès que j'avais les baies, j'allais directement faire tous les spots pour avoir la map parce que ça me faisait chier de pas me souvenir c'est où fallait que je m'en aille. C'était genre un non négociable. Streamer incroyable, viewer incroyable. Comment ça va, mon Marty? J'espère que ça se passe bien. J'espère que t'es bien heureux et t'es bien content. Si t'es triste, dis-toi que t'as fait en bas du temps que t'étais supposé faire dans le nourricette et qu'il y avait plusieurs personnes qui se sont levées à 6h du matin pour regarder ta run. C'est pas n'importe quelle personne qui aurait regardé une run de Marty Vengeance. Imagine si c'était une run genre de Pierre-Jean-Jacques, probablement que personne se serait levé à 6h. Tandis que Marty Vengeance, c'est quand même cool de se lever à 6h du matin pour regarder une run. Bon, j'étais fatigué en crise, mais ça valut la peine. Fait que j'espère que ça va bien, Marty. Il y a un bar au Shin, okay, il y a beaucoup de personnes qui voudraient quand même être dans cette situation-là. Moi, perso, je suis pas sûr. J'aime le fait d'être genre en forêt perdue quelque part, mais d'être sur une île... pas vraiment pratique, par contre. Première erreur, c'est de se lever, il fallait se coucher. Bon point. Comment ça va, Slayer? J'espère que ça va bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Et où sommes-nous? Il y a tellement du jugement là-dedans, hein. Ah, je me souviens, ce gros oiseau. Ouais, t'es ton homme. Les petits bruits de pont, on les entend. Oh Dieu, merci, tu es sain et sauf. J'ai eu une de ces trouilles en te voyant tomber en haut de cette montagne. En haut de cette montagne? Cet oiseau m'a donc amené jusqu'en haut de la montagne. Sympa de sa part. Bon, ne perdons pas notre temps ici. Allons-y, je connais quelqu'un à qui je dois une fière chandelle. Mais dis, Tetra, c'est qui ce gamin? T'inquiète, allez, dépêchons-nous. Ok. Vous pouvez juste me dire merci, hein, non? J'ai brandi mon épée et je suis venu vous sauver, et qu'est-ce que vous me remerciez? Nullement, vous me dites rien. Grand frère! Ah, pas encore elle, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Même les mouettes sont plus intéressantes qu'elle. Allez, c'est ma sœur.
Et pensez, l'île est toute plus vieille que Ding, il va finir par avoir une île privée. C'est vrai, vu de même. Oh! 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 Grand frère! Je brandis mon épée et ma première réaction, c'est me garnoter dans le vide, est-ce calme. Ding est pas fut-fut. Hein. On pensait qu'on avait un héros du temps, finalement on a un héros de l'idiotie. Quel con en gros. Hein. Bah, arrête de gigoter comme ça! La sœur qui vient briser la date de Ding. Et genre, ah mince, elle m'a touché la main, merci sœur, maintenant je m'en fous, merci.